Bienvenue dans le tout premier match de cette nouvelle édition du tournoi. On retrouve aujourd'hui le doux parfum de la coupe, cette saveur incomparable, des matchs aller-retour et du suspense incroyable qui l'accompagne. Tout le monde est impatient de débuter, y compris les arbitres qu'on a croisés tout à l'heure au moment où ils sont partis s'échauffer. C'est également le cas des joueurs, évidemment. Certains ont même fait de cette coupe leur objectif principal. Mbappé ! Oh, on a failli voir un but magnifique. C'est clair, d'autant qu'il est parti à la limite du hors-jeu. C'était super bien joué. En retrait vers son gardien. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent, alors forcément son équipe le pousse à monter et il le fait bien. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. Ruben Dias. Il joue un peu avec le feu, là. Et ils vont pouvoir respirer. Il allonge. Il a du champ sur le côté. Il envoie le ballon. Le coup de tête ! C'est dégagé, très loin. Il combine plutôt pas mal. Il tente de la jouer dans l'espace. La frappe, attention ! Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de souci, mais ils doivent être plus précis dans le dernier geste. Le jeu. Le ballon dans la profondeur. Il va avoir de l'espace. Zinchenko. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Pedri sur la gauche. Dani Olmo. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Il est tout seul. Dani Olmo pour le centre. Et maintenant Busquets. Ça joue long. Oh, l'occasion ! Oh, quel but incroyable de l'Espagne ! Oh, l'opportuniste ! Et quelle efficacité ! C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. The goal score for Spain after 31 minutes is number 10, Marco Asensio. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Gavi. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Dans la profondeur. Il est bien trouvé. Oh, l'inspiration ! Oh, c'est dommage ! Quelle occasion ! Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Bien, la profondeur. Oh, Messi ! Pedri. Il choisit le côté gauche. Ce ballon bien dosé. Ah, il n'aura pas manqué grand-chose. There will be 1 minute added time. Voilà qui met un terme à cette première période.
1-0, c'est l'heure d'aller souffler au vestiaire et d'écouter attentivement les ajustements tactiques de l'entraîneur. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. We'd like to inform you now that the latest travel information is currently being displayed on the screen. La seconde période, c'est parti. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Pedri, c'est bien donné. En retrait. Aspilicueta, la passe dans la profondeur. Oh, la frappe! Il relance, côté droit. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Et il a stoppé l'attaque adverse. Ce sera une remise en jeu. Rien à dire, c'était propre. C'est dégagé. Le gardien avait anticipé son action. En retrait. Il relance côté droit. Ferran Torres. Oh, la tête ! Oh, un centre puissant, mais ça n'ira pas au bout. Oui, c'est le genre de centre qui peut vraiment faire mal à la défense. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Faire entrer un joueur d'expérience quand on mène à ce stade du match, c'est plutôt une bonne idée. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. C'est joué dans l'espace. Il concède un coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. En retrait pour repartir proprement. Ça joue à gauche. Modric! C'est Modric qui centre. Asensio. Le bon dribble. Un duel gagné, ballon récupéré. Il y va ! Oliver Kahn ! Quelle intervention ! Substitution for Arsenal. Number 7. Number 8. Coming on the field. Le ballon sort en touche. Kevin De Bruyne ! Ferran Torres, le centre. Llorente, bien servi. Il est bien placé. L'interception, bien joué. Il ne se pose pas de questions. Substitution for Arsenal. Number 6. Arsenal qui effectue donc un nouveau changement. Il était dans le rouge, comme on dit. C'est le bon moment pour le sortir et donner un peu de temps de jeu à un coéquipier. Number 20. Ouf, un peu d'air.
touche donc. Substitution in progress. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Busquets, Llorente. Bien vu, c'est intercepté. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est joué dans la profondeur. Il est passé. Et il ne résiste pas au contact. Coup franc pour Arsenal. C'est peut-être la dernière chance, il faut en profiter. C'est vrai, il pourrait tenter de le jouer. Mais si ! Six added minutes has been Mais non, hors jeu. Je repars vers la droite, Llorente, il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait ça. Il peut frapper, renvoyé par le poteau. Un grand dégagement le plus loin possible. Oh Messi, coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Arsenal a vécu une compétition difficile qui s'arrête ici sur cette défaite. Est-ce que ce match correspond à ce que vous imaginiez ? Pour moi, ils n'ont pas été à leur niveau. Ni aujourd'hui, ni dans les matchs précédents. Il y a plein de joueurs de qualité dans cet effectif. Mais ça manque un peu de lien. Et pourtant, il ne manquerait pas grand-chose pour que ça...